Salut Steve. Steve, comment tu vas? Nintendo présente The Legend of Zelda. Salut à toutes et à tous! Ceci est un live stream test sur la Switch. Zelda, le souffle de la sauvage, le souffle du sauvage, le souffle de la sauvagerie, la respiration de la sauvage. Comment on peut traduire ça? Et c'est en français! Ah, merci mon cœur. Et c'est en français! Je crois pas t'acheter la Switch. On va en discuter, on va en discuter. Et c'est en français? Réveille-toi. Par contre, faut que je baisse les. Faut que je baisse le son de la télé. T'entendais quelque chose dans la télé ou pas? Hein? T'entendais quelque chose dans la télé? Ok. Non, il est pas à poil, il est en slip quand même. Alors oui, on est en 2017. Mais on fait de la rétro-engineering et on a l'impression d'être en 2004 sur GameCube. Et encore, Star Fox Adventure était plus joli quand même à l'époque. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais absolument pas envie d'acheter la Switch à cause de la faiblesse technique et tout le bazar. Et le problème, c'est que Cartoon a acheté la Switch. J'ai fait un unboxing avec la Switch avec Cartoon que vous pouvez voir sur ma chaîne d'ailleurs. On a vu vraiment l'aspect camelot de pas mal de choses autour de la Switch, bien que la finition au général et la dalle est de très très bonne qualité. Et après, il a joué pendant 1 heure et demie à Zelda. Et là, c'est le drame, j'étais obligé de l'acheter. Il est juste monstrueux. C'est de la faute des cartoons alors. Voilà, malgré le fait que ça soit extrêmement moche, là c'est extrêmement moche, avec ce brouillard très mal foutu, les dialogues. Ouh, attends, faut que je baisse parce que j'ai un retour dans mon casque qui me dérange. Voilà. Il rembourse la moitié. Peut-être monter le son du jeu un poil. Et voilà, c'est très moche. Et il a joué 1 heure et demie. J'ai fait, ah non, mais il est trop parfait, il est trop parfait. Il y a plein de choses qui sont parfaites dans ce Zelda, malgré qu'ils soient en PLS technique. Et nous allons voir ça en long, en large, en travers. Et on aura largement le temps de dire ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui m'a gêné, ce que j'ai aimé. Mais globalement, pour faire très vite. Prends cette tablette, Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Très vite, les qualités du jeu occultent très facilement les défauts. Enfin, on lui pardonne ses défauts. Et en même temps, je fais un stream test. Donc, soutenez-vous. N'hésite pas à me dire si le son du jeu est correct par rapport au son de ma voix et ainsi de suite. Voilà. Tablette Sheikah. Une mystérieuse tablette de pierre à la surface lumineuse, bien que vous n'ayez jamais vu cet objet, son apparence vous semble vaguement familière. Bah oui, c'est un iPod. Cette opacité de 20% blanc sur le. C'est tellement dégueulasse. C'est tellement dégueulasse. C'est tellement cache-misère. C'est des coffres, ça, je peux les ouvrir? Un vieux pantalon! Yeah, baby! Alors, comment on s'équipe? Déjà, ça m'a plu. Énormément de personnalisation sur Link avec des stats. Ce côté Skyrimiesque, on va dire, est magnifique. La physique du jeu est aussi magnifique. Mais ça, on y viendra. Une vieille chemise. Heureusement qu'il se réveille dans un endroit assez cool. Cette chemise, légère aux coutures fragilisées, a été fabriquée il y a longtemps, mais peut encore servir. Les manches semblent un peu courtes. Ça a l'air bien, t'inquiète. Et il est classe, Link. J'adore sa DA. Je regrette juste la pauvreté graphique. J'aurais bien aimé beaucoup plus de détails. Pas la For Honor non plus, mais beaucoup plus de détails, quoi. C'est vraiment dommage qu'il ait aussi peu de détails. Mais
C'est comme la piscine, quoi. On met les yeux sous l'eau pendant 30 secondes et une fois qu'on a les yeux rouges par le chlore, on s'y habitue très bien. Enfin, c'est surtout le début qui est très très moche, putain. Et je suis bloqué. Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté un coffre? Ok, je peux pousser. Ok, là j'avais la tablette. Accrépit, vous êtes plus lent mais aussi plus discret. Pour faciliter les approches furtives. Ok. Ah là, il y a un panneau. Voilà, c'est tellement brouillardisant que j'ai pas vu le panneau. Place la tablette Sheikah sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. La Switch, j'y passe 80% du temps en mode nomade, l'écran est nickel, les Zelda est vraiment beau dessus comparé en mode seul. Oh bah c'est clair, c'est clair. Là encore, je joue sur une 82 cm, ça va. Quand tu l'allumes sur la 137 cm que j'ai dans le salon, là, ça commence à piquer les yeux. En tablette, c'est parfait. En tablette, c'est parfait. La lumière est au bout du couloir. Celle qu'Hyrule avait perdue. C'est magnifique, c'est métaphorique, c'est poétique. Va, mets-toi en route. C'est la lumière au bout du tunnel qui tue Zelda et qui réinvente le concept de Zelda. Alors, escalader, c'est X. Voilà, je trouve l'animation tellement dégueulasse. Je trouve l'animation tellement dégueulasse et le fait qu'il puisse s'agripper partout, ça fait vraiment bizarre. Mais... Magnifique. Salut Nocette, salut Psycho. Elle s'est pas déjà barrée en miettes la console? Ça va encore pour l'instant, ça va. Elle est facile à capturer. Ce qui est totalement l'inverse de la Wii U qui est une catastrophe à capturer. Et là, je suis désolé. Ça m'invite pas en voyage. Cette opacité blanche de brouillardisante qui est vraiment pas terrible. Les graphismes, les textures ne sont pas top. On n'est pas loin de Motocross Madness. Mais la qualité de l'open world, la qualité du level design et la richesse du bousin nous fait très facilement oublier ces petits défauts. Et c'est ça qui est arrivé en 2 heures de jeu que j'ai eu avec... Avec Carton, que je salue au passage parce que c'est à cause de lui que j'ai dépensé des sous. Une branche d'arbre. On peut trouver partout des branches d'arbre comme celle-ci. Elle est très agréable à manier. On peut tout à fait servir d'arme une fois équipée. Alors comment on équipe? Donner un coup avec l'arme équipée. Oh, ce joli... Ce joli petit clin d'œil à l'ouverture de Ocarina of Time où on commence avec un bâton. Champi d'Hyrule. Ce champignon typique des forêts d'Hyrule pousse très souvent des arbres. Il restaure l'énergie vite fois une fois consommé. Ok, donc okay, c'est pour me recharger les vies. Voilà, et est-ce que... Bah, est-ce que voilà ce que j'ai adoré, bah, c'est tout simplement on peut escalader les arbres. Alors l'animation est dégueulasse, ça fait très Spider-Man PS1. On peut sauter aussi. D'accord, c'est X. Ah, par contre, j'ai tellement l'habitude des boutons. Ah ok. C'est un gros arbre. Il faut. Ah, tiens, il y a des petits arbres. On va essayer de tenter les petits arbres. Salut, Kixa, Kixa Gaming. C'est sûr que jouer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures à Zelda et après passer sur For Honor, tu fais ouf. Il y a quelque chose. Hein. Oh, des écureuils. Viens là, je vous tabasse le cul! Ah, les champis. Voilà, la collecte se fait vraiment. Ah oui, c'est maintenir. Quoi? Ah oui, c'est bizarre comme système. Ok. Je peux escalader le caillou? Et le moteur physique est très intéressant de ce côté-là. Voilà, le moteur physique est vraiment très intéressant de ce côté-là, il est vraiment très amusant. Je te reconnais plus, Psycho, il a changé. Il joue à Zelda. Il a critiqué son côté sombre, reviens. Quoi,
Qui c'est qui lâche une caisse là? Link. Ah, c'est Link. Elle était dans mon cul? Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Tu me dis quelque chose la voix. Salut Dick. Ça troll pendant 6 mois et après ça achète le produit quasi day one. Ça troll, mais je change strictement rien de tout ce que j'ai trollé et tout ce que j'ai dit dessus. Ok, position actuelle. Sanctuaire de la Renaissance, se téléporter. On peut se téléporter. Guidé par la tablette. On va aller à l'église là. Oh, on peut s'accrocher et tout pour aller chercher le... Oh, c'est magnifique, non? Magnifique. Si t'as faim, tu peux aller chercher des pommes et tout. Magnifique. Bonjour, monsieur le vieux. Énorme clin d'œil au vieux du premier Zelda. Oh, 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 ce n'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici. Qui es-tu? Là, le visage est bien fait, tu vois? Link est moche, mais là, le visage est bien fait. Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi? C'est plutôt rare, tu dois être quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps. Un vieil homme un peu fantasque. Et toi, jeune homme, que viens-tu chercher par ici? N'hésite pas, attends, je vais peut-être monter le son du jeu encore un peu. Dites-moi si le son du jeu est trop fort ou trop faible. Parce que de toute façon, là, c'est quasiment que des gazouilles, donc... Voilà, dites-moi si le son du jeu est correct pour vous. Au moins ça montre que t'es un vrai passionné de jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo, peu importe. Et il y en a plein qui me disent... Attends, on va finir la discussion et puis on va venir dessus. Que tu... Où sommes-nous? Oh. Tu réponds à ma question par une autre question. Les jeunesses de notre époque me font vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais, jeune homme. Et notre rencontre ne sera sûrement pas le fruit du hasard. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du Prélude, le berceau du royaume d'Hyrule, à ce qu'on raconte. Putain, il est gros ou c'est moi qui est petit? Yep, psycho, c'est sans le mode d'exploration. Ah, mais totalement. On trouve un temple sur ce plateau, un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis déjà 100 ans, il est en ruine, du même que le royaume tout entier. Et il ressemble étonnamment au monastère du temps, à l'église du temps, au temple du temps de Ocarina of Time encore. Ce n'est plus qu'un lieu désolé et abandonné de tous. Je verrai ici un petit moment. Tu as des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. J'ai pas de questions pour l'heure. Donc, 2 secondes. Oui, j'ai beaucoup trollé, j'ai beaucoup dit de trucs, je ne retire rien de ce que j'ai dit. J'assume totalement tout, et je suis toujours d'accord avec ce que je dis. Mais les qualités de ce Zelda remontent le niveau, on va dire, et font oublier le problème. Le bûcheron des montagnes apprécie particulièrement cet outil conçu pour abattre les plus gros arbres en un rien de temps. Ok. Genre, je peux l'abattre? Comment on frappe? Non. Ouais. Kaboum! Excellent, excellent. Ça, je l'avais pas vu, ça. Excellent. Fagot de bois. Facile à transporter, ce fagot fera pas. Et parfait pour un feu de camp si vous avez de quoi l'allumer. D'accord. Cool. Cool. Et donc, il y a une charge. Magnifique. Magnifique. Regardez, il y a l'herbe qui... Ah, j'ai plus d'endu. Il y a l'herbe qui fait... Par rapport au vent de la dague. Au vent de la dague. Au vent de la hache. Et produit du vent en même temps. Magnifique. D'accord, et couper un arbre fait tomber toutes les pommes aussi. D'accord, ok, ça marche. On va aller à l'église et puis on va aller à l'objectif après. Oh putain, il y a un trou. Je peux la ranger? Bon, il doit la ranger peut-être au bout d'un moment. Ah non, d'accord, c'est B pour ranger, ok. Oh, papillon. Voilà, et ce qui est génial, c'est ça. C'est pas FF15 avec des murs invisibles tous les 30 cm où t'as même des petites pancartes comme ça qui te bloquent. Là, t'as vraiment un véritable open world où t'as l'impression que tu peux tout explorer de partout. Même si là, on a l'impression d'être sur PS1, là, j'avoue, là, ça fait très Spyro le dragon, quoi. Mais après, t'as la magie de Zelda. Ce qui est intéressant avec ce Zelda... Oh, d'un monstre. Coucou. Est-ce que... Ah oui, donc il y a un lock comme sur 64. Comment on tape, les gars? Sortage! Ah, c'est X. C'est bon, j'ai joué à For Honor, tu vas pas me la faire à l'envers.
Truyo. Quoi? Sérieux, ils ont des contre-attaques? Oh, la longueur du bâton! Je sais que c'est pas la taille qui compte, mais quand même, t'abuses. J'ai l'impression de jouer à For Honor maintenant. Ok, dégage toi. Ah mais ah oui mais vie. Mais vie, on se barre. Ah, lâchez moi J'ai pas encore appris à jouer, lâchez moi Oh putain, j'ai plus d'endurance. Donc voilà, ils ont repris un Minecraft, ce qui était bien Minecraft, ils ont repris Skyrim, ce qui était bien Skyrim, ils ont repris Oblivion, ce qui était bien Oblivion, ils ont pris Dark Souls, ce qui était bien Dark Souls, ils ont vraiment... Mais putain, ils me poursuivent, c'est con. Bon, t'es tout seul, je peux te le faire. Allez, on le lâche pas. C'est bon, il est mort. Oh, j'en ai tué un, la vache. Un croc de beau gobelin. Ces crocs usés par d'innombrables repas restent assez solides. Faites-le cuire avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour obtenir un remède. Ok. Ok. Il y a un truc de sauvegarde en fait, ça marche comment? Ah oui, sauvegarder. Ça sauvegarde automatiquement? Zelda sur Switch, Kaizo. Il y aura une rediff, oui, comme d'hab, hein, toutes les rediffs sont sur YouTube, 1000 pattes. Sauf problème, mais normalement toutes les rediffs sont sur Twitch. Sauf si Nintendo arrive et fait non, il n'y a pas d'audio, c'est à nous le jeu. Tu as souvent des insectes et d'autres lézards en coupant les arbres. Ok, attends, par contre. Allez, je m'installe, merci Wizbot, je sais où elle se trouve. Alors attends, non, c'est. La sacoche, c'est elle. Donc j'avais pris des pommes. Voilà, ce côté est très fun, ça sert à rien. Mais c'est cool. Une gestion de personnage, une véritable gestion de personnage et d'inventaire, c'est très très cool. Alors par contre, j'ai un setup qui est un peu chiant parce que le chat il est vraiment excentré, donc je risque de rater beaucoup de messages si je suis trop pris dans le jeu. T'en penses quoi pour l'instant? Je suis très très conquis, très très conquis. Malgré les petits défauts techniques, tu vois par exemple là. Tu vois, vous avez vu le petit nuage dynamique? Très 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 agréable. Voilà les petites orbes là. Gus DX, il est en apoplexie, là, il est en train de se permaculer partout derrière en faisant la toupie mexicaine. Et le jeu, il est monstrueux. Monstrueux. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Voilà, et pareil. Ça, c'est génial. T'es pas obligé de chercher l'entrée. Tu vois qu'il y a une fenêtre. Tu dis, je vais explorer par là. Et t'as ce sentiment de liberté, d'exploration, qui est tout simplement incroyable dans cet open world masterisé, ce level design masterisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, par contre, voilà, là on est en 98, la texture est dégueulasse niveau PS1, et c'est ça qui est dommage. En fait, le jeu est tellement bon que t'as juste envie qu'il soit moderne et cohérent avec notre époque et moderne. Regarde-moi cet effet d'escalier dégueulasse en haut du vitrail. Je sais pas si vous le voyez sur le stream et les effets d'escalier sur les trucs. Mais la qualité fait qu'on peut prier. Merci pour le follow, Pingouin Rose. Hey, salut Pingouin. La statue de la déesse vous sourit avec bienveillance. D'accord, c'est ça la prière, la priature. D'accord. Y'a rien derrière. Ok. Tu fais bien trop de compliments au jeu, y'a Anguille sur... Je te jure, mille pattes. Malgré les défauts techniques, c'est vite gommé, le jeu est tellement... En fait, il te pousse à l'exploration. Tu sais, c'est comme... en fait, je ressens le même plaisir que j'ai ressenti avec... Tiens, salut. Merci pour le follow. Voilà. Le même plaisir que j'ai ressenti avec... comment on appelle ça? Avec Morrowind, Oblivion, Skyrim, c'est-à-dire que tu sors... Absolument pas envie d'aller à la quête principale, mais tu passes ton temps à explorer à gauche à droite. C'est ce que je ressens avec ce Zelda. Comment on lance? D'accord, c'est pas ça. Ok, comment on lance? R, c'est quoi R? R, ok. D'accord. Cette flèche d'utilisation courante est fabriquée à partir d'un bois solide. Ok. Ok. Là, il y a un coffre. Et le fait que... Arc de voyageur. Utilisé en combinaison avec des flèches, cette petite arc léger bien pratique pour voyager permet d'atteindre des ennemis à distance. Ok. Donc tirer, d'accord. On peut bander dès qu'on voit Zelda et après on tire. Qu'est-ce que c'est que ça? Massu beaucoup. De rien.
Cette massue bokoblin a été conçue dans le but unique d'assommer le gibier et des trop intensives risquent de la briser rapidement. Ok. Voilà, et ce que j'aime bien aussi, c'est que tout apparaît sur le Link. Voilà, il a son arc et des il a ses. J'ai qu'une flèche, d'accord. Bah oui, j'ai ramassé qu'une flèche en même temps, donc j'ai qu'une flèche. Et ce que j'ai vu, c'est que on tire. Voilà, et on peut récupérer sa flèche. Sauf si on touche un ennemi. Si on touche un ennemi, la flèche disparaît. Ah bah, voilà. Parfait. Ah non, ok, donc, ok, c'est parfait. La flèche réapparaît aussi. Alors, faudrait que je teste sur les ennemis. Cartoon est allé là-haut. Tu vois, ça donne envie d'aller voir, mais en fait, il n'y a rien là-haut. Je me rappelle que Cartoon a essayé. Ça s'appelle pas le souffle de la liberté pour rien. Ah putain, le souffle de la liberté! Je ne savais pas comment traduire le jeu. C'est Breath of the Wild. Et donc, à la Assassin's Creed, il y a des échelles, mais fuck les échelles, on peut y aller à pince. Si on veut. Et c'est génial. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Qu'ils aient repris ça sur Assassin's Creed, c'est vraiment génial. Là, c'est vraiment du Assassin's Creed-like. C'est bien de reprendre les idées de ce qui se fait bien chez la concurrence. Hein. C'est vraiment bien. Salut, je le trouve pas super beau. Il est pas super beau. Regarde, regarde. Spyro the Dragon, 1996 ou 17 sur PlayStation 1. Il est pas super beau. Hein. Non. Il a quelques effets super beaux, mais une fois que, comme j'ai dit tout à l'heure, une fois que tu t'habitues, il est très envoûtant. Il est très très envoûtant de ce côté-là. Tu vois, il poussait l'exploration. Je suis allé tout en haut de l'église pour voir ce qu'il y avait. Cet arc de bois dont la puissance d'attaque a été augmentée pour servir au combat peut infliger de gros dégâts, mais attention à ne pas l'approcher du feu. Ok, donc ça marche pareil. Donc, je maintiens. Ah ouais, 14 de dégâts. Ah ouais, c'est l'arc. Par contre, pour redescendre. On n'a rien vu, ok? Vous avez rien vu. C'est juste pour voir l'écran titre. Ouais, le Game Over est pas mal. C'est juste pour voir l'écran titre. Alors, est-ce qu'il y a des sauvegardes automatiques un peu mieux? Alors, je suis désolé, je suis pas coiffé. J'aurais dû me prendre une douche avant. Mais heureusement que vous n'êtes pas en odorama. De toute façon, je suis un geek. Autre chose qui est très bien, en fait, on meurt souvent. D'après ce que j'ai vu, on meurt souvent. Mais voilà. Il n'est pas punitif, c'est-à-dire en 20 secondes, 15-20 secondes, on est de retour dans la partie. Il n'est pas punitif comme Record, où t'as 3 putains de minutes quand tu meurs, et que c'est gonflant. On peut descendre genre... Ah, il y avait un bouton! Ah, c'est bon, je suis pas mort. Il y avait un bouton pour activer la descente. Le X, j'imagine, c'est là où je suis mort. Ok. Mais du coup, j'ai mon arc, au fait? Ok, donc c'est bon, j'ai gardé mon arc. Ok, parfait. Alors. Ça, c'est quoi? Donc, guidé par la tablette. Et ça, c'est quoi, alors, du coup? Sanctuaire de la Renaissance. Non, non, je vais pas me téléporter. On va y aller à pied, on va y aller à pied. Donc, c'était au sud. Putain, mais c'est pas indiqué. Alors, voilà. On sprinte pas sur le joystick. Et ça, c'est vraiment pénible. C'est quoi, déjà, le sprint? Donc, ça, c'est ça. Ok, donc, il a un coup sauté, aussi. Ok. Putain, mais j'ai vraiment pas d'endu. Ce ragdoll moisi. Oh, ça va, le ragdoll était pas trop mal. En fait, je voulais te remercier pour Trialfusion que tu m'as donné. Y'a pas de soucis, pingouin. Content que tu l'aies reçu. Content que tu l'aies reçu. Ouais, le gameplay est très réussi, Jésus. Tu vois là ce qui me gêne? C'est ce filtre blanc. Tu vois surtout en haut à gauche. Ah bah vous le verrez pas parce qu'il y a ma caméra. Vous voyez les arbres au fond. Ce filtre blanc d'opacité. Il manque un peu de contraste en fait le jeu. Qui est vraiment vraiment dommage. Mais bon, c'est vrai que la comment dire, la console. Bah voilà, c'est repompé de la Wii U. C'est repompé de la Wii U et ils ont fait à peu près comme ils pouvaient et je trouve qu'ils ont bien sauvé les meubles, on va dire. Ça se détruit, ça? Ah! Des steaks!
La cuisson à la flamme a rendu cette viande bien plus savoureuse et a augmenté ses capacités régénératives en énergie vitale. Et une pomme. Ok, cool. Y'a rien, hein. C'est le seul truc que je voyais là sur la tablette? Ah non, c'est pas du tout ça. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Effacer le tampon. Ah putain, bah voilà, on peut mettre des tampons. Merci pour le follow, Vapes. Non, mais je veux pas me téléporter, je veux juste mettre un tampon. Comment on met un tampon? Ah ok, on peut mettre des balises et des tampons. Ok, donc c'était par là-bas. Ok. Link a la même endurance qu'un soldat de Call of Duty. Bah après, c'est le début du jeu. Donc j'imagine que... Par contre, c'est Abraham Lincoln... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Abraham Lincoln au niveau... Ah oui, d'accord, tu cliques, tu bandes et tu tires. Ok, nickel. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? C'est Abraham Lincoln dans le découpage d'arbres. Hein. C'est quoi ce blob? On raconte que cette masse souple qui ressemble à un chouchou est si instable qu'il suffit d'un simple stimulus pour qu'elle se transforme. C'est-à-dire, moi aussi j'ai un chouchou avec un simple stimulus féminin, il se transforme. Il grossit. Alors comment ça marche? Coucou mon gros. Blabla. Oh, one-shotage! Magnifique. Lancez une arme que vous avez en main. Alors, comment je repasse? Ok, ah oui, mais non, mais je peux lancer ma hache. Ah ouais, d'accord. À quoi ça sert? Mais putain, mais sauter sur Y, le truc le moins chelou de la planète. Ah, je crois qu'on peut inverser, attends. Paramètres. Voilà, voilà, changer le bouton saut, oui, non, on peut pas... C'était une ligne de code pour rendre la possibilité de pouvoir mapper ces boutons comme on veut. Donc, voilà, je saute sur B, qui est A sur Xbox, et je sprint sur Y, sur X, mais j'aurais pas aimé sprinter sur le joystick en fait. Et ça, je crois que c'est pas modifiable. Ah oui, pointer la carte toujours vers le nord, ça c'est pratique. Voilà, pour me repérer, c'est quand même plus pratique. Et voilà, il y a des petits coins là comme ça. Eh, on dirait Halo. un démake de Halo, on dirait vraiment une ambiance à la Halo S. Tu peux faire quelque chose là? Non. Ah, mais c'est là où il y a le vieux. Eh, vieux, j'ai trouvé une hache. Oh, oh, oh. Putain, c'est le Père Noël. Oh, oh, oh. Je crois que je vais rester ici un petit moment à me régaler du pomme grillée. Elle serait très bonne, même sans la passer sur les flammes, mais elle est encore plus nourrissante comme ça. On peut griller ces pommes? Dis donc, gamin, tu n'avais pas quelque chose à faire par hasard? Pomme grillée. Ces pommes grillées directement sur la flamme feront un parfait encas et se restaurent. Mais comment... Hey, ma pomme grillée! Oh, oh, oh. Allez, ça va, ça ne fait rien. Il y a assez de pommes pour deux par ici. Elles sont encore meilleures grillées. Et comment je la grille, la pomme? Ah. Ah, excuse-moi. Oh, carrément, il a failli me taper, tabasser. Non, mais je voulais juste griller une pomme, mon gros. Ça, c'est la pomme grillée. Choisir. Prendre. Ok, et je fais quoi avec ça? Ah, je brûle! Et je peux la mettre dans le feu. Poser. Non, faut peut-être un... Ah! Elle a enflammé. Pomme grillée, magnifique. Et ce côté-là de Zelda est vraiment génial. Ce côté un peu craft est vrai... Mais non! Mais, oh putain, par contre, faut s'y habituer. Est-ce qu'on peut griller des champignons? Prendre... Ce champignon grillé à l'arôme et au goût enrichi par la cuisson restaure l'énergie vitale plus grande en quantité. Eh ben, magnifique, c'est magnifique. Ça, c'est juste génial. Et donc, aussi, ce que j'ai vu... Attends, c'est quoi pour changer d'arme, déjà? Donc, le... Tiens, on va prendre un bâton. Voilà, ça se ressemble en torche. Et ça, c'est beau! Et aussi, ce que j'ai vu... Voilà, l'herbe brûle! Elle est noircie et elle brûle. C'est quand même beau. Au niveau de... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a du vent?
Au niveau de... Putain, je suis en train de brûler toute la... Pyromane, le mec. Et par contre... Ah oui, je peux le jeter. C'est génial. C'est... Voilà, le moteur physique du jeu est très, très, très intéressant. Très, très intéressant. Le jeu est pas ouf graphiquement. Je suis totalement d'accord avec toi, Slower. Totalement d'accord. Mais il propose une map vraiment énorme et il n'y a pas beaucoup de temps de chargement. C'est ça, il propose une map énorme, énorme et intéressante. C'est ça le truc, c'est que le level design est extrêmement bien branlé. On va prendre ma hache de Hercir. Le level design est extrêmement bien branlé. Appuie sur X pour manger. Ouais, je sais que c'est X pour manger, je voulais pas la manger, je voulais la griller la pomme. Quoique j'ai un cœur en moins, je peux toujours la manger. Voilà, ça recharge. Ah, ça recharge 3 quarts de cœur. Ah bah voilà, on va la manger. Ah tiens, donc la balise, je l'ai mise là. C'est haut pour escalader, non? Ça me paraît un peu haut. Parce que j'ai pas encore beaucoup d'endurance. Hey, pousse. Ah putain, on peut monter dessus. Ah putain. Ok. Et là, il y a un symbole. Et par hasard, il est en haut. On va essayer d'y aller. Qu'est-ce que je pouvais prendre? Ah, du champignon. Voilà, et pour ce côté exploration, c'est juste génial. Ouais, l'ombre est bien foutue. Voilà, le soleil, c'est dommage, il est un peu... Il n'y a pas de soleil, enfin, c'est une grosse tache blanche au fond. Il y a un petit lance-flare qui est très joli, il n'a pas piqué des hannetons. Voilà, après, il ne faut pas oublier que c'est la console portable la plus puissante du marché. C'est une console de salon merdique, mais c'est une console portable. Le problème, c'est que la Switch, voilà, c'est 300€, je l'ai acheté juste pour Zelda, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Mario Kart 8, j'ai des centaines d'heures sur Wii U, ça m'intéresse pas. Splatoon 2, ça m'intéresse pas. Donc le prochain jeu, c'est Mario Odyssey, c'est pas tout de suite. Je peux le tuer à l'arc, ça m'étonnerait, mais... Voilà. Ah bah il est parti. Je peux débander l'arc sans l'utiliser? Merde. Ma flèche! Ah merde, mais c'est à l'intérieur! Ça doit être une caverne. Comment on court déjà? Ah oui, va falloir que je m'y habitue par contre. Ok. C'est vrai que ça a l'air énorme. Alors par contre l'arc et les flèches aussi, ce qui est cool c'est qu'elles ont un effet balistique. Voilà, elles redescendent en fait. Ah ouais, ils ont vu la flèche, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Oh le one-shotage magnifique. Venez là les gars, je suis là. Ils me cherchent encore les cons. Oh, oh ça fait mal ça. Par contre je vais garder mes flèches parce que j'en ai plus beaucoup. Ah oui attends, je pouvais sauter. Il me jette un caillou le con. Oh la baffe, les bifs que tu l'envoies, ça c'est génial par contre. Le moteur physique est très très agréable dans le système de combat. Ok. Oh, je peux le prendre le gros gigot? Oh oui, viande grillée, la cuisson à la flamme a rendu cette viande bien plus savoureuse et augmenté ses blablabla. Ok. Ça se découpe pas, ça? Non. Ah, le truc bleu, c'est là où je me suis réveillé, merci Steve. Donc faut que j'aille là-bas en fait. Bon, c'est pas grave, au moins on visite un poil. C'est haut, non? Il y a une petite marche, je vais peut-être pouvoir descendre par là en par marche. On va faire ça. Est-ce qu'on peut descendre par là? Descends. Voilà. Voilà, là c'est vraiment moche. C'est vraiment moche. Le cel shading sur Link est dégueulasse. On va essayer de voir le petit campement des gobelins là qu'il y a au bout et puis on ira à l'objectif principal tout de suite. Pyrodélique. C'est haut, non?
Essayer de rejoindre là-bas. Parce que là, je sais pas si j'aurai assez d'endurance pour aller jusqu'en bas. Je peux sauter en diagonale, tu crois? Oh oui, bravo! À la Tomb Raider, magnifique, magnifique. Par contre, là, ce que ça consomme en endurance. Bon, ça devrait être bon, là, ça devrait être bon. Un coup à droite, voilà. Et il fait quoi? Il lâche dès qu'il a plus d'endu? Ah! C'est bon, c'était serré quand même, hein. Ok, on va aller par là. Non, 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 non! Le bug ou le Dakivor ou le GG ou le Gaskillé, à vous de choisir. Alors ils étaient où? Ils étaient là. Oh putain, ils ont l'air d'être beaucoup. Je danse le mi, y'a pas de pas à côté. Ah putain, mais c'est dur à viser. Ah, ce one shotage est magnifique. Ils sont combien là? Ah, ils m'ont pas entendu. Ah putain, mais ils sont beaucoup. Ah, je crois qu'ils m'ont entendu. Ah non, ils m'ont pas entendu. Oh, il s'est retourné pile quand j'ai tiré, c'était magnifique. Par contre, je crois que j'ai plus de. Ah, terrible. Wouhou! Magnifique headshot. Reste dans l'eau toi. Ok. Arc beaucoup. Cet arc dont se servent les beaucoup blins est de plus sommaire. Une simple corde attachée à une branche d'arbre, ce qui les rend particulièrement puissants. Ok. Un bouclier Boko, ce bouclier Boko, simple morceau d'écorce auquel a été ajouté une poignée n'est pas très solide et se brise facilement. Cool! Levé de bouclier, d'accord. Ah, magnifique! Voilà, tu ressembles vraiment à un aventurier et j'adore Luck Delic. Ah, pas mal, Killer, Luck Delic. Ça ressemble énormément. Voilà, tu ressembles vraiment à un aventurier, t'as vraiment l'impression, cette impression d'aventurier. Et ça, c'est cool. Ah, il y a un coffre! Il y a un autre gobelin, on va aller faire l'autre. On peut casser les caisses là? Cool! Y'a quoi dedans? Une pomme et une flèche en bois. Ah bah, une flèche en bois, je vais pouvoir le tuer avec la flèche en one-shotage. Quoi? Le compartiment des armes est plein. D'accord, donc on a de l'espace. Ok. Merde, fais voir. D'accord. Ok. Ah, par contre, pour les vêtements, ça va. Pour l'inventaire, ok. D'accord. Non. C'était quoi pour jeter? C'était I? Non, mais non, c'était pas X, c'était RT. Non, c'était LT. Non, c'était pas ça. Ah, c'est ça. On va essayer de lui jeter dans la gueule. Bien! Merde. Ça lui fait des dégâts, là? Merde, il a un arc! Oh, je vais péter la gueule! Tiens, bouffe! Ah merde, j'ai pas d'arme! J'ai pas d'arme. Tiens, bouffe mon bâton. Voilà, il est très agréable au niveau du gameplay. C'est au niveau du gameplay qu'il est très agréable. Le switch des armes, le switch des arcs et des flèches se fait vraiment à la volée. Et c'est vraiment très très cool. Donc j'ai déverrouillé le coffre, c'est ça l'idée? Il était où? Il était là. Putain, j'ai trop envie de sprinter avec le joystick quoi, ça aurait été tellement logique. Et de se baisser avec B par exemple. Opale brute, ce minerai d'Hyrule au reflet irisé semble à ceux d'un coquillage renfermer la puissance de l'eau. Comme je disais, n'hésitez pas à me dire si le son du jeu est correct et tout le bazar. Ça va pas marcher ça. Ah merde, j'ai cassé mon. D'accord. Un gland!
Les piafres affolent de ce fruit dont les forêts regorgent et en font secrètement des provisions. Une préparation qui en contient rend légèrement plus d'énergie vitale. Je ramasse tout. D'accord, et passer d'un bouclier à l'autre, ok. Tiens, j'aime pas les arbres. Par contre, les gros, je pense pas. Hein. Ouais, dans les gros, on peut pas. Il y a des arbres où il y a des nids avec des œufs. Ils ont mis X pour sauter parce que c'est la touche du haut. Ouais, ça paraît logique sur le papier et mathématiquement, mais c'est... C'est idiot. On saute avec A, enfin avec A sur Xbox, avec B parce que c'est la touche d'en bas, parce que on interagit avec nos pieds pour sauter, c'est nos pieds qui nous font sauter. Donc en fait, A, tu fais jumper tes pieds. Y, ça serait pour s'accrocher avec les mains. Qu'est-ce que c'est que ça? Une tour Karine? On peut... Y a quelque chose là-haut? Bon bah on se retrouve dans une demi-heure. Oh putain la vache. Le problème c'est que si je saute, je vais pas avoir assez d'endu. Je vais jamais avoir assez d'endu. Si? Si si, je suis déjà à plus de la moitié. Mais il peut faire le croche nul? Ouais, ça devrait aller. Tu pourras augmenter les slots dans ton inventaire par la suite. Oui, je me doute bien avec, avec l'un après. Ça va faire partie des mécaniques de gameplay. Le truc dérangeant, c'est que X et B sont totalement espacés, donc pour courir et sauter, c'est chiant. Oui, oui. Courir, sauter, changer et tourner la caméra, c'est impossible. C'est con. Oh non! Aïe, 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 mais rotule! Putain, les salauds, ils ont prévu la hauteur de la tour pile poil pour qu'elle ne soit pas accessible avec les premières endurances du jeu. Level design, puissance du level design et intelligence du level design. On dirait qu'il est en train de se faire prendre par quelqu'un derrière, par contre. Ou il est en train de sucer une bite invisible. À vous de voir ce que vous préférez. Alors, je suis pas du tout dans l'endroit où je dois aller, c'est par là. On va aller à l'objectif. Hein. Je compare ce Zelda à Fallout 3, 4, car c'est assez moche, mais boudiouque l'univers du jeu est en mieux. Ouais, c'est ça, ouais, tu peux. Ouais, on peut dire ça, ouais, Hot Killer. La petite. Ça marche? Ah, ça marche, ok. Oh merde, lâche, se brise aussi! Avec quoi je vais attaquer, moi? Je vais avoir l'air d'un gland. Par contre, je suis content. Le stream a l'air de bien tenir. Je suis... I'm happy. Okay. Oh non! J'ai fait un super coup, mais elle est morte. Oh, chier. Super. Bon, j'ai plein de massues. Waouh, j'ai l'air d'un steak comme ça. C'est là où j'étais? Ou c'est autre chose? Non, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils m'ont vu? Attends, comment je me... Qu'est-ce que j'ai... Mais non! Mais non! Mais non! Qu'est-ce qu'ils... Ah, mais ils sont en train de chasser le sanglier! Oh, c'est ce one-shotage, mais il est magnifique cet arc. Ils m'ont même pas vu. Ok, cool, ça va être top. Utilise la hache pour les trucs en bois, psycho et le marteau uniquement pour les roches. Conseil en passant. D'accord, salut. Ah, salut Cartoon. Salut Cartoon. Ce serait mieux que tu te mettes ta cam en bas à droite parce que là on voit pas tes cœurs. Ah oui, bah tiens, tu vois, toi t'es pas con, toi t'es pas né de la dernière pluie. Non, je vais mettre. Elle est où ma caméra? En haut à droite, y'a rien. Hop, ça c'est le jeu. Mes caméras, s'il vous plaît.
Merci. En haut à droite. Ou en bas à droite. Ouais, en bas à droite, comme ça, en même temps, je regarde en l'air, donc ça fait plus. Niveau level design, c'est plus propre. Voilà. Tiens, le jeu, je l'ai mal recadré. D'ailleurs, vous le voyez pas, peut-être pas sur le stream, c'est pas du 900p pur. Il y a un petit liseré noir, tu sais pas d'où il vient. En haut de l'écran, c'est super bizarre. C'est super bizarre. Donc voilà. Alors, merci mille pattes, ouais, pour les cœurs, ouais, merci. Pour les cœurs et puis les boutons aussi. J'ai l'impression et j'espère que la physique des déplacements va augmenter en avançant dans le jeu, non? Oui, il y a d'autres moyens de déplacement, t'auras des lions. Des chevaux. Beaucoup de chevaux. Et c'est hyper classe. Opale brute, ce minerai d'Hyrule blablabla. Ça doit être sûrement des trucs de craft. Et j'aime bien ce truc, tu vois, là il y a des ruines, on a vraiment l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en fait. Et c'est par où je dois aller? Par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le cochon qu'ils essayaient de tuer. Oh oui, le one-shotage, magnifique. Oh, oh, j'ai cru qu'il allait m'attaquer. Là, il m'attaque! Oh, il s'enfuit. Non, il s'enfuit, c'est bon. Il est où celui que j'ai tué, là? Il est là. Venaison, cette viande provenant du gibier des plaines des forêts est consommable crue, mais la préparation qui en contient a plus de goût et restaure davantage de cœur si c'est cuit. Okay. En bas à droite pour voir ta magnifique chevelure. Ouais non mais je me suis pas douché et et là ils sont tout raplapla là, je peux faire de l'huile, je peux faire des frites avec mes cheveux. Oh merde, il y a un pigeon! Au revoir, joueur PS4. Et je peux pas faire de feu. Ah tiens, il y a plein de flèches là, c'est parfait. Torche. Allumez cette torche pour qu'elle brûle sans s'arrêter, ou tout du moins jusqu'à ce que vous la rangiez dans votre sacoche. Ok. Les pigoques. Oh, ce petit. J'ai l'impression de me promener en Serbie, quoi. C'est vraiment super agréable. Oh, y a quelqu'un. Y a quelqu'un. Oh merde, y en a plein. Ah bah, des cornes, je vais en avoir 18 milliards. Non, c'est pas ça. Ok, ça c'est pour changer les flèches après. Comment je fais? Ah voilà, c'est ça pour repasser aux arbres. On va utiliser un peu les arbres. Ok. Et une fois que j'atteins la balise, est-ce qu'elle se débalise? Ah ok, une fois que j'atteins la balise, elle se débalise. Magnifique. Magnifique poitrine. Actuellement, j'ai raidé un cheval et un cerf. Oh la classe. J'aimerais bien raider la princesse. T'as ressenti beaucoup de ramage pour l'instant? Bah écoute, non. Non. Tu sais, je suis un fan de Oblivion, Skyrim, Assassin's Creed. Mes yeux niveau ramage, tu vois, ils sont high level. Il va me faire acheter une Switch, ce con. Je suis désolé. Strike-o! Oh merde. Ah merde, il sort pas en arrière. Oh, je me suis protégé. Ok. Merci pour le follow, les pinceaux. Il y a du monde.
Ah bah c'est là où je dois aller. Ça tombe bien. Ça va, un ennemi à la fois, c'est prenable. Plusieurs, j'ai encore un peu de mal avec le gameplay. Allez, viens par là, toi. Putain, mais c'est comme For Honor, quoi, c'est génial. Parade parfaite. Y'a des parades parfaites? Ouch! Ah, un cœur! J'ai plus qu'un cœur! Non, c'est pas ça. Manger. À la Indiana Jones. Magnifique. Bonjour. Veuillez insérer la tablette Sheikah. Quand tu boques avec ton bouclier, tu fais A quand tu vas recevoir une attaque pour la parade. Ah ok, je vais tester ça. Quelques secousses sont à prévoir. Eh ben, je vais en profiter pour manger mon riz au lait. Est-ce que là, quand il y a plus de son dans le jeu, je suis toujours audible? Ou si je peux, ou il faut que je baisse le son du jeu par rapport à ma voix? Là, ça gueule. Là. Tu vois, ce filtre d'opacité blanc, là, il me gêne énormément le jeu. Regarde là, regarde comment c'est dégueulasse. Le jeu, il aurait été tellement plus beau. Ou du moins plus propre, en fait, techniquement. Welcome to Assassin's Creed. Alors voilà, le monde a dit de ce Zelda Breath of the Wild qu'il s'agissait du meilleur jeu Ubisoft de ces 10 dernières années. Ah oui, j'aime bien ça, il se perbacule sur la tablette. Hop, boukake. Et on récupère des données comme ça. Je pense que c'est plus un choix qu'un filtre technique. Je pense que c'est un filtre technique. Enfin, il y a un léger filtre technique. Ou si c'est vraiment un choix, c'est vraiment une idée de con. Souviens-toi. L'été dernier. Souviens-toi. C'est une voix connue, Zelda. Souviens-toi. Pendant 100 ans, tu es resté plongé dans le sommeil. D'accord, donc ça se passe 100 ans après. C'est toujours des chiffres ronds, hein, c'est 1000 ans ou 100 ans. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. Tu vois, ça aurait été pas plus joli la scène condamnés. Avec un noir noir et pas derrière des lunettes embuées. Parce que là, ça gâche la puissance du truc. Le temps presse. Ne tarde pas. Ou il sera trop tard. Fais vite. Oui, après je peux bidouiller les paramètres de la télé pour enlever ce filtre blanc. Oui, tout à fait. Je veux juste augmenter, booster un peu le contraste de la télé et... Guidé par la tablette. Terminé. Cool. Et je fais quoi maintenant? Tu vois, regarde, là c'est moche, là c'est joli. Parce qu'il y a du level design, il y a un peu de... d'orbe et de nuages sur le monde de la mort là. Ok, j'ai l'air d'un cake, moi je descends comment? Je le sens pas. Y a pas une... Ah là. En fait, c'est bon, c'est fini, j'ai plus à interagir. Tu t'es mis à jour? Ok.
Oh putain, on peut même aller dans les trous d'oreilles. Ah! J'ai mis mon bouclier sous mes pieds, dis donc, mais ça m'a pas protégé.